Famille, bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est le concert de Dajou à Dakar. Il est de retour à Dakar, même si c'est la cinquième fois. Je m'en fous. J'ai juste envie d'aller me changer les idées et je vais aller à son concert. Et je me suis dit pourquoi ne pas vlogger et je vais en profiter pour vlogger toute ma journée. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour le moment, je vais aller au Uno faire un petit tour avec mes amis. Pour ceux qui ne connaissent pas le Uno, c'est une boutique de vêtements. Je vais aller avec mes camarades de classe. On va voir les petites tenues, qu'est-ce que ça propose, comme ils ont une nouvelle collection qui est sortie. Et je vais essayer de vous vlogger ça. Yes. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous savez que j'ai l'habitude d'aller en magasin. Et ça, c'est le magasin où je parle plus. En parlant de réseaux, ça, ajoutez-moi sur mes autres réseaux, sur Snap, TikTok, tout ça. Je vous mets tout ça sur l'écran pour augmenter la famille. Parce que c'est sur ces réseaux que je suis le plus actif qu'ici sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est la nouvelle partie du magasin. C'est hyper nice. Ils ont des trucs assez sympas. J'aime bien le magasin. C'est pas loin de chez moi, donc on paye pas le transport. Pour les abonnés fidèles, vous savez que j'ai un portefeuille Dior. Mais le portefeuille Dior, il est niqué. Plus rien ne va avec ce portefeuille-là. Dans ces temps-ci, je cherche un nouveau portefeuille. Et j'étais déjà venu ici, mais il n'y avait pas de portefeuille nice. Mais maintenant, je vois qu'il y a des nouveaux en mode ça, en mode ça. Oh là là. Mais je sais pas, gaspiller 5000 aujourd'hui avec ce que j'ai à faire de la journée. Moyen. Regardez celui-là par exemple, le NASA. Il est beau, mais j'aime pas le haut, tu vois. C'est un truc qui se gâte vite. Le rouge là, lui je l'aime bien, mais je sais pas. Il y a aussi son vert. Tout à l'heure aussi, j'avais vu un qui était un peu bizarre. Ah, je le vois plus, mais ceux qui sont là sont beaux quoi. Je vais te faire une tenue magnifique. Viens. Imagine ça avec toi. Je te vois bien dans ça, genre, regarde. Avec un pantalon genre bien. Regarde. La jupe avec ce que je t'ai pris tout à l'heure. Ça va, non? C'est trop court et je t'abuse. Attends, viens, on va marier. Viens. Ça et ça. Tiens l'eau. C'est vrai que c'est pas mal. Avec tout foutre qui? Elle sait pas faire le jeu d'acteur, cette fille là. Oui, c'est beau. Elle te fout déjà. Regardez ça, comment c'est beau. Hop ça, qu'est-ce que tu fais beau? Hop ça. Qu'est-ce que tu fais beau, frère? Donc vous êtes les seuls à avoir trouvé un truc. Nous on n'a rien trouvé, rien, de chez rien, il n'y a rien d'intéressant. On a juste fait que c'était nous qui devions acheter. On a juste un peu profité de la clim, mec, à part ça, rien. Mais à part ça, je suis un beau. Oui, il n'y a que toi, Hélène. En plus, regardez l'embouteillage. À quel moment comment je vais faire pour sortir ce soir? Et les embouteillages de samedi, ça persiste jusqu'à X heures. C'est pire. Voilà, je te jure, avec tout ce qui se passe en ce moment. Y a pas, oui. J'ai toujours pas compris ça. Les gens te regardent comme s'ils n'ont jamais vu quelqu'un se filmer dans la rue, quoi. Je suis peur, je comprends pas. Cette folle de peine d'aller aller oublier son sac à l'intérieur, elle sait même pas où c'est. Nous on est là, putain. On est là, on attend comme des moutons. Dites bonjour les moutons. Elle a trouvé son sac. A few moments later. Donc là je suis de retour à la maison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a rien trouvé au Uno de spécial, d'extraordinaire, donc on s'y a rien pris. Juste Inès et Lena ont trouvé, je pense, une robe. Inès a trouvé un t-shirt, un haut, je pense, je sais pas. Mais c'est ça, il n'y a eu rien d'extraordinaire.
On est ressorti, les autres sont rentrés, moi là je suis chez moi et j'ai faim. Mais je pense que je vais passer au Jollof Chicken. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le KFC du Sénégal quoi. Je sais pas s'il y a des dans les autres pays, mais voilà, c'est le KFC du Sénégal. Aujourd'hui de base, comme c'était l'anniversaire d'un de mes potes avec qui on était, on avait dit qu'après être passé à la boutique de vêtements, on allait aller manger et après avoir mangé, il allait organiser un petit match entre potes, un match amical. Mais au final, on l'a pas fait, je sais plus trop pourquoi, mais au final, on a tout annulé. Voilà pourquoi on a quitté le magasin. Là, je suis retourné chez moi et maintenant, je pense que je vais aller me prendre à manger. J'ai envie de ça. Vu qu'il y a un juste à côté et c'est déjà dans ma tête, j'ai envie de poulet, tout ça. Donc, je pense que je vais y aller. En passant, mais abonnez-vous, en fait. Likez, commentez, ça donne toujours de la force. Yes, comme on va être ensemble toute la journée. Il faut bien me donner de la force, là. Bon, vous, moi, ça sera toute ma journée avec ma caméra, mais vous, ça sera juste quelques minutes, mais bon. C'est pas vous, mais moi, j'aime trop la période de Noël. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous devez le savoir. Je viens de poster un nouveau TikTok. Je vous le mets juste après. Donc là, c'est la direction de Jollof Chicken. Je vais aller prendre ma commande et je vais vous amener comme ça. Vous allez un peu découvrir pour les personnes qui ne connaissent pas le Jollof Chicken. Attendez, je vous pose là. Je porte mes AirPods et on est go. On écoute un peu de musique pour se mettre un peu dans l'ambiance. On va écouter du Daddy, comme ça. Pour commencer, les paroles vont revenir. Yes! Regardez un peu mes chaussures, genre. Je sais même pas ce que j'ai fait de mes pieds. Attendez, je vous montre ça correctement. Je suis juste venu, j'ai porté des sandales, je sais pas comment on les appelle encore. J'ai porté ça. Mais ça fait rien, on s'en va pour les jambes de toute façon. Moi, je comprends toujours pas l'embouteillage à 14h. Moi, je comprends pas. Regardez, regardez un peu. Regardez, regardez par là aussi. C'est du n'importe quoi, rien ne passe. C'est comme si les voitures étaient en promotion et j'ai pas entendu parler de cette promotion. C'est trop, il n'y a pas à avoir des embouteillages comme ça. Donc là, on est arrivé au Jollof Chicken. Je suis archi pas payé pour faire leur publicité, mais bon, ça fait partie d'un vlog de ma journée. Ça vous occupe un peu et vous allez m'accompagner. Regardez les espèces de chiens que je trouve assis, tranquilles, ou à du commander. Ok. Donc, vous voyez le cas. Dieu m'a envoyé, je vous trouve là. Vous allez payer pour moi. Attends, je m'assois. Allez, moi je suis venu, je. Moi, le truc, rien de vous avez mis dans ma tête le poulet. Donc, je vous dis que je vais venir commander. Je vous trouve. Commandez, on mange. Deux minutes, sans l'argent. Deux minutes, sans l'argent. C'est bien de parler d'argent, Daniel. Sans l'argent. Il n'y a plus d'argent. Moi je suis là, je me dis, oh, le poulet dans ma tête, je vais aller acheter tout ça. Nous, qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu vas payer pour nous. Je te pardonne, tu n'as rien à dire. Donc, leur menu est juste là. Vous avez vu, c'est un peu comme les menus du KFC, tout ça. Je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais prendre comme ce que je prends d'habitude au KFC avec ça. Burger, 5 burgers, rien que de l'eau. Oui, je veux pas le burger truc. Moi, je pense que je vais prendre ça. Ok, c'est ça que je prends de base. Je vais prendre ça avec. Et puis c'est l'idée. Ah. Vous avez pris quoi? Alors, ça. Ouais, la manipulation. A few moments later. Nos commandes viennent d'arriver. Ça va lui faire du mal, okay. Les défaillants que vous êtes. Eux, se sont pris des burgers, je ne sais même pas pourquoi. Y a pas. Pourquoi tu ouvres le burger déjà comme ça? Ça, même si c'est un peu vide de quoi. C'est vide. Je m'attendais au KFC. Quand tu manges le KFC, il y a beaucoup plus de filtres. Oui, c'est trop nier. Mais les filtres sont meilleurs. Par contre, c'est ça que je truc chez eux. Quoi. Leurs poulets épicés sont meilleurs. Ils sont meilleurs que ceux du KFC. Ça, moi, j'ai fait l'expérience. Ils sont meilleurs. Ceux qui ont l'occasion de venir essayer, n'hésitez pas à venir essayer. À quel moment? On dit, mais non, on te croise. C'est Dieu, Dieu, moi l'envers. On vient de finir de manger.
Maintenant, notez un peu sur 10. Parce que tu donnes combien sur 10? 6. 6. Les raisons? Épicé. Ouais, c'est toi qui as pris épicé, pourquoi t'as pas pris les normes hein? Mais parce que j'avais faim. Parce que épicé, c'est limite bon. Mais c'est épicé et pas bon. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. Hein. Toi, tu notes sur combien sur 10? 5. 5. Non seulement c'était trop épicé, j'arrivais pas en fait. Genre épicé, c'est. Voilà quoi. Mais c'est. Toi, tu donnes combien? 7. Et ouais, hein? Mélanger avec le Pepsi. Pourquoi tu donnes 7? Pourquoi mélanger avec le Pepsi, c'est dégueulasse. Mais toi, t'as pas bu ça, ça m'a pressé. Non, mais j'ai essayé d'abord ça et c'était de la merde. Non, déjà avec la tomate. Si vous venez ici, prenez du pressé, parce que ça, c'est trop épicé. Toi? C'est parce que j'aime pas la tomate. Mais la tomate est là. Ouais. Ça a quel rapport avec ce que t'as mangé? Je sais pas. J'ai juste envie de donner ça. Ne venez pas ici. Ne venez pas. C'est cher quand même. Non, non, quoi? Oui, c'est moins cher. C'est pour moins le cher. Prix. Mais, non, non, il y a un rapport qualité-prix. Quand c'est moins cher, ça va être bon. Tous les gens. Moins cher pour manger de la merde. Pour les gens. C'était bien, les filles étaient bien. Ah, ah, moi, j'avais envie de vomir carrément. Elle voit, voilà, elle a tout mangé. Les filles, je n'ai pas goûté. Les filles. Et ouais, je note les frites. Par contre, les frites, Magie, leur gel, ils sont très bons. Ouais, leur et les frites aussi, elles sont bonnes. Leur gel, leur lager. Tu les tiens à l'envers. Les frites aussi sont croustillantes. Pas mais, mal. Mais c'était peu, il n'y avait ouais, pas beaucoup. De pas beaucoup par contre, ça souffre comment là? C'est des déchirures, Rocha. Tu déchires. Tu déchires. Fais-nous un petit. Ah, t'as déjà déchiré. Ouais, c'est ça. Bon, moi, si je note, moi, je vais donner un petit 7. Parce que ceux que j'avais mangé la première fois étaient merveilleux. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ou c'était par, c'est par rapport à la place. Peut-être celui qui est aux Almadi est meilleur. Ouais, ouais. Comme même, c'est le premier en même temps. Même les KFC, parfois ça a dit. Ah, t'as vu. Ne partez pas, vous aussi, non. Ne partez pas, restez ici. Attends, je vous accompagne. Ah. Donc là, je viens d'arriver à la maison. Les pandas sont partis, comme vous l'avez vu. Moi, je pense que je vais un peu me reposer, ou peut-être. Je sais pas si vous savez, mais le nouveau film de Spider-Man est sorti. Mais je pense que je vais le regarder en streaming à la télé. Ou bien je l'ai jusqu'à un autre jour. Je sais pas. Je sais pas trop. J'ai réfléchi. Soit je pars dormir, soit je pars... Non, je vais aller dormir. C'est mieux, c'est mieux. Je vais me prendre un petit dessert. Ça, c'est une tranche de melon et une orange. Regardez comment j'ai coupé l'orange. Ne me donnez jamais vos oranges pour que je vous les coupe. Jamais. Mais c'est vrai, en passant, il y a le nouveau son de Chris Brown et Daju qui est sorti. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Moi, je l'ai déjà écouté plusieurs fois depuis que c'est sorti hier. Mais c'est hyper bien. Attendez, je vais le mettre. Bougez pas, je le mets à la télé et je vous reviens. Il est trop bien. J'aime trop. La partie de Daju est juste magnifique. J'espère juste qu'il va la chanter ce soir, quoi. En fait, le premier pays où il va chanter la chanson, genre. J'espère juste qu'il va la chanter. Écoutez juste cette mélodie de vous. C'est ma partie préférée du son, le refrain, quoi. Totalement vide, dire goodbye, bye. Tout à fait, je connais même pas les paroles, mais le son il est trop bien, il est trop bien. C'est une pépite. Dis-moi, tu es où? Dis-moi tu es où, yeah, yeah. La partie de Chris Brown, même lui, il chante bien, je trouve, j'aime bien. Mais j'exagère un peu, les droits d'auteur quand ils vont venir me frapper là, vous serez pas là pour m'aider, allez écouter le son directement. 1 hour later. Salut tout le monde. Attendez, j'allume la lumière comme ça. Vous allez me voir.
Je vous avais dit que j'allais dormir. Là, je viens de me réveiller. Il fait 19h et quelques, je pense qu'il fait 19h30, un truc comme ça. Là, je vais me lever, prier, payer mes prières. Et je pense que je vais commencer à me préparer pour partir au concert. Je me suis habillé en full honneur à mort. Regardez, avec mes Jordan Nike. C'est un truc simple. J'ai pas voulu me fatiguer à porter du jean, tout ça. Ça allait me. Voilà quoi! J'ai aussi mon pull NASA. Au cas où il fait froid là-bas, parce que forcément il va faire froid. C'est à côté du port. Et ma petite sacoche Levi's. C'est tout, on se fatigue pas. J'ai pas envie de m'emmerder là-bas avec des bagages ou avec des habits serrés ou trop près là. Ça va être fatigant. Allez, viens, viens, viens. Regarde sur moi. Oh bébé sur moi. Oh bébé sur moi. Oh bébé sur moi. L'album de Taïki aussi, une pépite. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est juste une pépite. J'espère juste qu'il va venir cette année pour nous faire une petite démo de son album, quoi. Regardez ma coque, je vous avais pas montré ma coque, genre. Regardez comment c'est nice. Ah, j'aime trop. J'aime trop ma coque. Je l'ai volée chez une de mes cousines. La coque, j'aime trop. Je pense que je vais venir partir. De bas, je devais aller avec un de mes potes qui s'appelle Iba. Vous l'avez vu dans mon vlog à Sali. Mais depuis, j'essaie de le joindre. J'arrive pas. Donc moi, je pense que je vais partir. Je vais retrouver là-bas d'autres potes. J'ai d'autres potes qui sont là-bas et forcément d'autres connaissances. Mais j'ai parlé avec une de mes potes et elle a dit qu'elle sera là-bas et on pourra se retrouver. Donc je vais partir tout de suite. Il fait déjà 21 ans et quelques. Le temps d'arriver là-bas avec les embouteillages, c'est ce que je vais faire. On peut dire 30 à 1 heure en route. Arriver là-bas, on se regarde. Donc là, je suis sur la route. Déjà, il y a les embouteillages jusqu'à présent. Et c'est sûr que c'est encore plus bloqué vers là où je pars. Ça, c'est un. Deux, j'ai toujours pas acheté de ticket parce que la personne qui devait me vendre, j'arrive pas à la joindre. Donc, je suis obligé d'aller acheter sur place. Et il fait pratiquement 21h30. Moi, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh là là. De base, je devais conduire. Mais la personne qui devait me donner la voiture a finalement eu un événement. Et maintenant, je suis obligé de prendre un taxi. C'est les taxis à cette période-là. C'est trop compliqué à en avoir. Oh. From Africa, everything I got for you is true love. Yeah, yeah. Je suis un homme de la terre.
les entends au-dessus de mes yeux. Yeah.
c'est tout le monde. C'est juste qu'on a l'instant. Je veux pas que tu penses que je suis quelqu'un de mort. Laisse-moi t'expliquer avant que je mors. Une journée sans ton affection, pour moi c'est plus long que les 30 prochaines secondes, je ne chante que pour toi, ok? On cherche un ouvert de la route. Écoutez les gens, c'est du nouveau. Je veux même pas savoir qui te parle. C'est moi qui te parle, le truc que c'est mon beau. Attendez de vivre beaucoup de et trouver juste le milieu. Et écoutez les gens qui te parlent. C'est moi qui te parle, le truc que c'est mon beau. Après l'heure c'est plus long. J'ai demandé j'aurais pu débrouiller un peu plus long. Maintenant tu veux tout. Maintenant tu veux tout. C'est parti.
n'entend rien pour nous aussi. Plus fort que ça. Jamais sans ma fierté. Jamais sans ma famille. Jamais, c'est ce que je me suis toujours dit. Jusqu'à ce que tu t'inclines dans ma vie. Maintenant c'est jamais sans toi. Jamais sans toi. Jamais sans les gosses qu'on a fait. Avec toi je suis bien. Jamais sans toi. Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Tu es dans mon cœur mais je ne peux plus te voir. Il est temps que tu dis adieu. Car les souris ne m'aiment pas. Il n'y a plus d'avenir entre nous. Pour tout parler, il y a des ennuis. Et j'ai pas envie de t'excuser. Tu es dans mon cœur mais je ne peux plus te voir. Il est temps que tu dis adieu. Forcé de destin, si tu croises mon chemin, ça va mal terminer. Je veux te dire. Je veux que tu oublies pour le bon. Je veux que tu oublies pour le bon. Fais en sorte que tu oublies pour le bon. Hey, tes frères de savoir que si tu veux la voir, t'as qu'il pourrait jamais. Tu vas pas dire pas. Tracer le destin, si tu croises mon chemin, ça va mal terminer. Je veux que tu oublies pour le bon. Je veux que tu oublies pour le bon. Je veux que tu oublies pour le bon. Je veux faire en sorte que tu oublies pour le bon. Je t'avais dit de te méfier. Tu voyais sombre quand t'as des billets. Pourquoi tu voulais craquer tous tes billets? Oh, ouais, c'était jusqu'à la moitié. 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 Oh, c'était jusqu'à la moitié. Oh, ouais, c'était jusqu'à la moitié. Oh, ouais, c'était jusqu'à la moitié. Bonsoir Dakar. Hey. Courbez le rêve, regard de presse. Personne n'est indifférent quand tu passes dans la pièce. Ta voix à leur tête, c'est tout ce qu'ils souhaitent. Quand on marche ensemble, je vois leurs deux yeux qui nous quittent. Hey. Ouais bébé, tu fais l'objet de convoitise. Car c'est monsieur Tal que tu as choisi. Mon love ou les love, dis-moi de quoi il s'agit. Car dans le cas où tu voudrais mon cœur, voici. Ils attendent que je pense un faux pas. Pour t'approcher dès la première occasion. On te raconte tant que je suis un faux gars, un taux carré qui pourrait te faire vivre la vie. C'est des vendeurs de. Tu les connais déjà. Parce que t'es jaloux. On a joué à Jay-Z, Beyoncé. Baby. Écoute un peu. Mets tes chacals de poids comme ta caracole. Quand on s'embrouille, je les vois qui tapent à ta porte. Leur laisser du terrain, je ne suis pas d'accord. T'es ma wife, je t'adore. À la life, à la mort. Whoa. Je vais les oreilles de ton visage. Whoa. Et que tous les autres comprennent le même. Faisons, c'est pour toutes nos mamans. Vous êtes prêts, Dakar? Hey, maman Bompa, je ferai tout. Oh maman, maman, doudou, doudou. Hey, maman Bompa, je ferai tout. Doudou, doudou. Maman Bompa, je ferai tout. Maman Bompa, je ferai tout. Doudou, doudou. Maman Bompa, je ferai tout. Hey, tu m'as suivi. Tu sais, je m'en ai. Je ne sais comment que tu. Que tu comptais pour moi. Les absences et misères t'ont parfois fait souffrir, maman. Je n'étais pas là pour toi. Si le bras sur tes épaules devient détesté, maman. Je l'ai porté pour toi. Faire en sorte que tu tombes dans un aucun souci, maman. Et un devoir pour. Je ne suis pas comme tu penses, je ne suis pas si gentil, maman. Tu mets tout ça. Là, je veux vraiment entendre tout le monde. D'accord, je compte sur vous. Je te ralentis car j'ai peur d'échouer. C'est compliqué.
le monde fait. Aide-moi demain. Magnifique. De toute origine que des calanciers. Et pourtant, vous m'avez pourtant dit de me confier. C'est la seule avec qui vous pouvez jouer. Combien d'hommes ont essayé de la marier. Et c'est comme on les manipulait. Revenez ton terre à tête. Et pour devenir ton suverain, commence par me donner ton numéro. Tu sois la même de mes âmes. Avec moi, jamais tu t'ennuies. Tu vas crier de midi jusqu'à minuit. Et comme il faut pas les crier des petits, on les laisse marcher sa main. Chérie, donne-moi ta main, je sens le feeling. Mama, y'a pas d'aïe, y'a l'idée, y'a tout ça qu'à la tête. Sauf que nous démonons, y'a plus de copains, nos parents. De faire dormir bébé, mon bébé, pour recevoir notre bébé, mon bébé. Quand il fait noir, faut piloter. J'ai permis du soir, faut piloter. Et c'est comment faire pour élever le niveau. Élever le niveau. Elle est restée vers son père, élever le niveau. Je pense encore à m'excuser. DKR, vous êtes prêts ou pas? Il faut qu'on en finisse, que tu réfléchis. Il y a trop de disputes en plus, c'est pas le pire. Mais ça va triste. J'espère que vous ne laissez pas fatiguer. On y va, on y va, on y va. Hey, vous êtes en face du poids. Vous êtes en face du poids. Vous êtes en face du poids. Il faudrait qu'on fasse une pause. C'est quoi? C'est qu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il y a trop de requins dans le grand. Trop de requins dans le grand. C'est nous là où bien même. Jusqu'à la fin. Il y a trop de requins dans le grand. Je veux vous entendre. Hey, bébé. Je veux. Bébé dans la main gauche, j'ai le diamant que tu mérites. Regarde bien loin, t'as changé ta vie. Si ta vie sera probablement à mon côté. Faut que tu te dis moi. Ma mère faut des euros pour te doter. Et c'est étonné, j'ai donné. Ça va me sentir que j'ai donné. A vie charbonne. C'est elle. Ils voient que le monde est tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner. Ce soir on sent mon bébé. Y'a plein de groupes autour mais je crois qu'on. Pas même film, pas même vélo, pas même. Attention! Y'a plein de groupes autour mais je crois qu'on. Bon! Et le reste de ta vie. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
souffle comme un marais. Puis il dit le ralentir, je sais pas. Quand on sera sur les nous en bois. Je le fais pour vous. Maman, elle s'en fout de ce soir. Toi, bien, c'est bien qu'on va s'y prendre. Quand ça veut des périls, on va y avoir. Si, ton bien, on va y prendre. Est-ce que le roi va pour qu'il arrive à s'en sortir? Est-ce que le roi va 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 Sur 50 ans, ce que je vais t'avouer. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi de pouvoir te dire qu'ici, bah, y'a personne que je n'ai plus aimé. Dans cette vie, tu es ma famille. On y va! Hey! Tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait rien de moi. Je peux chanter pour la terre, mais on va le faire ce soir. L'amour, tu as fait plus en misère. Sur Dakar, en soirée quelques soirs avec un plus d'un pays. Elle m'appelait dans sa chauffeur avec son petit ami. Histoire de décompter, c'est sur le tatami. Les trois règles se guérent, on se prend mes merdes. Y'a des jalousies de trois strokes. Bien évidemment, si elle m'a bien risqué la signe, c'est pas mon souci, je ne risque pas du. Hey, t'es pas bien. Un peu de nom de juge. Si vous savez ce qu'elle me dit, elle ne passait pas dessus. Mais quand je disais de me lire, ça va sauter le vide. Et donc toute femme qui se livre. Hop là, vous allez carrément prendre ma place. Ok. Je vous laisse chanter, je vous écoute. Oh, je ne sais pas moi, tu t'attardais. Avec moi, y'a pas d'histoire, je sais juste un ami. Ah, ah, il
famille, là on se retrouve. C'est la fin du concert. Ça a été un concert magnifique. Je pense que c'est le plus long concert auquel j'ai assisté à Dakar. C'est le plus long. D'habitude, les artistes qui sont passés par là, et même lui, ses autres concerts passés, ils font maximum une heure de temps. Lui, pratiquement, il est resté avec nous 3 heures de temps, ce qui est énorme. Pendant 3 heures de temps, on est resté à crier et à chanter. Vraiment, c'était un concert magnifique. Ceux qui n'ont pas pu venir, vous avez raté. Bon, la famille, je sais que la vidéo est longue. Forcément, ça sera long avec tous les petits trucs que j'ai pris. Mais c'est pour vous donner une vidéo complète de ce que je vous ai promis. Et j'espère vraiment que vous allez la regarder jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. J'ai l'habitude de rencontrer des abonnés ou des personnes qui m'ont déjà vu sur les réseaux. À l'extérieur, ils me disent souvent qu'ils aiment bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, au concert de Dadju, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont abonnées à moi. Énormément de personnes qui sont venues me dire qu'ils me reconnaissent, qu'ils sont abonnés à moi et qu'ils aiment ce que je fais. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Je vous remercierai jamais, jamais, jamais pour ça. Et j'espère que la famille PMCA continuera à s'agrandir et qu'on deviendra quelque chose et on montrera au monde que on est là. On est là en fait. Là je me dirige pour un petit after. Je pars pas à l'after de Dadju parce que lui il va au Vogue. Moi je pars à la Liti. Je vais retrouver là-bas des potes et je vous emmène avec moi. Ça va être un peu. Je vais pas tout filmer, je vais juste vous montrer un peu. Et je pense que c'est là qu'on va se dire au revoir parce que la vidéo commence à être longue. Allez, à tout de suite. I know go Mariano, that person inside you. I just